Salut à tous, une vidéo sur la Void Linux avec le Mate Desktop. Ça fait longtemps que j'avais pu parler de la Void Linux, qui est une distribution Rolling Release qui n'utilise pas systemd mais Runit. Ça faisait à peu près 9 mois que je n'avais pas parlé, donc je me suis dit qu'est-ce qu'elle devient? J'ai voulu faire une vidéo. Comme d'habitude, vous trouverez tous les détails techniques dans un lien dans le descriptif, avec un article de blog qui explique le tout. Donc, on va lancer ensemble et voir ce qu'elle donne. On est go! Donc, je passe en plein écran. Il y a un IO 4.8.12, donc c'est déjà sympa. La distribution propose libre SSL en lieu et place de OpenSSL et bien sûr Runit à la place de systemd. Alors, voilà, l'IDM va démarrer. Donc, il y a tout petit bug, je ne sais pas pourquoi, mais il me fout l'IDM en anglais, il ne me le met pas en français. Bon, mais le reste, après, ça passe en français. Faut pas chercher à comprendre. J'ai pas compris. Bref, peut-être un réglage que j'ai manqué. Voilà, donc là. Donc j'espère qu'en fermant la session, il va bien me mettre le fond d'écran qui va bien. Parfois, c'est un peu capricieux. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc nous avons le fond d'écran. Je vais le changer parce que sinon ça va m'arracher la rétine. Apparence. Donc arrière-plan, quelque chose de plus agréable pour les yeux. Voilà, quelque chose de plus reposant. Voilà, ça sera quand même un peu plus reposant pour la suite de la vidéo. Donc c'est une Void Linux avec Maté Desktop 1.16. Je crois que c'est la version GTK 3, mais on pourra vérifier. Voilà, Maté 1.16.1. Côté mémoire vive, il ne consomme pas énormément. Il faut bien sûr compter dedans que j'ai activé CUPS. J'ai activé les extensions VirtualBox. Donc ça va quand même manger un petit peu de mémoire vive. Ouais. Donc en gros 400 mégas. Et 3 Go d'espace consommé. Donc pour le moment, j'ai mis sur le disque dur. Je n'ai pas rajouté LibreOffice, justement, je vais le rajouter par la suite. Un petit truc que j'ai constaté aussi, c'est que HPLib que j'ai installé n'a pas d'interface graphique. Dommage. Donc, si on veut rajouter une imprimante, je vais passer par rajout suppression, enfin, par l'outil System Config Printer. C'est dommage. Donc là, on a bien sûr l'ensemble en français, ce qui est agréable. C'est quand même assez rapide, vous pouvez constater, c'est quand même assez rapide. Donc, je vais vous montrer la rapidité d'installation des logiciels. Je vais prendre LibreOffice par exemple. Alors, par contre, il y a aussi un petit problème, c'est que certains paquets ont des casses différentes. Pour installer le paquet principal de LibreOffice, c'est ça. LibreOffice. Avec libre et office, avec les majuscules pour les deux. XBPS, je vais le faire à faute de frappe. À moins que ce soit libre office ainsi. Et non, c'est peut-être libre office comme ça. C'est vrai que parfois la caisse est un peu ennuyeuse. Voilà, c'est libre office tout court. Parfois la caisse est un peu ennuyeuse à trouver. La caisse, je parle bien sûr majuscule minuscule. Et si vous entendez des boum boum boum, c'est mon bip de voisin avec sa techno de bip. Voilà. Et les personnes ne savent pas gérer les basses. Donc apparemment c'est un LibreOffice fraîche ou évolution si vous préférez. Les dépôts sont assez rapides. En attendant, je vais aller sur le site de la Void Linux. Là, il y a Firefox qui est en français. J'ai pris le Firefox court terme, mais vous pouvez très bien utiliser aussi la version ESR. Les deux sont disponibles. Voilà.
Voilà le site officiel de la voie de Linux. Voilà, avec tout à fait habituel. Qui propose la GCC 6.2. C'est quand même pas si mal que ça. Dans les nouveautés, on apprend que Maté Desktop est disponible depuis novembre. Comme ça. Il y a aussi Cinnamon, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de petits trucs. Par contre, je ne crois pas qu'il y ait Gnome. Donc, si je recherche HPLib, vous allez savoir dans la recette de compilation. Donc, peu importe, on va prendre celle-là. Ouvre-toi. Voilà. Donc ça va directement sur le dépôt GitHub. Et si on regarde sur la recette de compilation, il conseille les paquets PI pour l'interface Python, oui. Mais si on regarde un peu plus près, je vous l'agrandis. Voilà. On a Disable GUI Build. En clair, désactiver la compilation d'interface. Dommage. C'est ennuyeux. Donc là, LibreOffice s'installe. 2 minutes à peu près faut compter pour installer LibreOffice, ce qui n'est pas excessif. Par contre, ce qui est un peu ennuyeux, il n'y a pas d'outils graphiques aussi, donc souvent, il est obligé de passer par le site internet de la distribution pour trouver le bon nom de paquet. C'est un brin ennuyeux. Il y a l'outil qui s'appelle XBPS Query, mais je n'arrive pas vraiment à me débrouiller avec. Donc je préfère passer par l'interface LibreOffice. Ah, donc c'est bon, c'est LibreOffice i18nfr pour avoir la version française. Ok. Donc là, on fait L10, i18nfr, bien sûr. Et normalement, on doit avoir LibreOffice installé. Non, bien sûr, il faut fermer la session. C'est pas grave. Je pensais que le rafraîchissement serait automatisé, mais non. C'est un petit bug de Maté, ça. C'est pas grave. Par contre, je ne sais pas si c'est Maté GDK 2 ou GDK 3. Je vais essayer de trouver l'information. Donc normalement, la bureautique. Voilà, on a LibreOffice Writer qui doit être disponible. Voilà, donc nous avons LibreOffice. Disponible rapidement. Donc je vais retourner sur le site officiel de la voie de Linux parce que l'outil XBPS Query n'est pas franchement mon ami. Donc voie de Linux, paquet. Donc je vais voir s'ils ont quoi de libet pour l'audio. Mais dans mes souvenirs, ils n'avaient pas. Non, il n'y a pas quoi de libet. Est-ce qu'ils auraient Praga? Non plus. Donc on va chercher audio. Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils auraient Rhythm and Box? Apparemment, il y a. On va chercher peut-être Rhythm and Box pour avoir de l'audio. Ah oui, il y a Rhythm and Box. Non, mais je vais installer Rhythm and Box à la place. Je préfère installer Quadlibet, mais on va installer Rhythm and Box. C'est vrai que c'est une petite distribution, donc automatiquement les paquets dépendent vraiment des contributeurs.
Alors je vais voir si c'est à VLC. VLC, oui, il y a VLC. Est-ce qu'il y a MPV? Parce que quand même, MPV est plus intéressant. Ou GNOME MPV, même à la limite. Pour avoir la vidéo. Non, il n'y a pas GNOME MPV, donc je peux toujours mettre MPV à la place. Pour les vidéos. Pour être soit VLC, soit MPV, donc je vais mettre MPV. Que je vous conseille parce que VLC commence à sentir un peu le renfermé. Donc normalement, on va avoir Rhythm Box disponible. Vous voyez quand même, l'ensemble s'installe assez rapidement, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas d'outil de recherche graphique, d'interface graphique à SPBS Query. Ça serait quand même pas plus mal que ça. Pour la vidéo, MPV. Donc sur la vidéo MPV, normalement, ça ne va pas tarder à apparaître. Sinon, on va le faire apparaître. Hein. Apparence, menu principal. Sur la vidéo, MPV Media Player. Clac, clac. Voilà, on va le faire apparaître. Si vous ne connaissez pas MPV, je vous le conseille, il est franchement excellent. L'interface ne paye pas de mine, mais il est excellent. Voyons, en GStreamer, parce que là, je ne sais pas si j'ai les greffons pour supporter par exemple le MP3. GStreamer, plugin. Donc je vais voir sur Alter Music, en récupérant des musiques en MP3. N'est-ce pas? Je testerai après le support du son. On va prendre celui-là, par exemple. N'importe lequel, hein, on s'en fout, juste pour tester. Vous appréciez ce que je peux avoir parfois jusqu'à 5h du matin. Allez, mais téléchargement ce bazar. Voilà, merci. Donc, on va voir ça. On va voir s'il me lit directement. Extraire ici. On va voir s'il me lit directement les fichiers MP3 ou s'il faut que je rajoute les greffons qui vont bien. Alors, sans vidéo, Rhythm Box. Donc là, on va ajouter la musique. Non, apparemment, il ne me reconnaît pas. Outils, préférences. Voilà, fermé. Donc je vais relancer le Rhythm Box, mais apparemment il ne me reconnaît pas les fichiers MP3 au démarrage. Dommage. Erreur d'importation, bingo. Installer le logiciel supplémentaire. Appliquer le plugin. Ok. Donc on va faire XBPS Query. GST. S. GST. Donc, on va voir. On va regarder sur Void Linux. Alors, paquet. GST Plugins. GST 1 Plugins. Non, c'est juste les plugins, autant pour moi. Bad, good et ugly. Ok. Bad 1, good 1 et ugly 1, je suppose. Good 1 et ugly 1. Ok. Donc, on est parti pour installer ça. XBPS install -s gst plugins good 1.
C'est là qu'on apprécie la vitesse de téléchargement, bien sûr. Et Ugly One. Donc normalement, cette fois-ci, il devrait pouvoir m'importer dans Rhythm and Box la musique. Ah, d'un seul coup, ça va mieux. Donc, on va voir celui-là, par exemple. Ce parlant, ça fonctionne. Donc, on va voir sur YouTube si on a le son et la vidéo qui fonctionnent aussi. On va prendre quoi? Pom, 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 pom. Bon, ben la preuve que l'audio et la vidéo fonctionne sur YouTube, sans besoin d'avoir de chercher. Donc c'est vrai que c'est pas mal la voix Linux, mais il manque pas mal de petits trucs. Par exemple, un outil de l'interface graphique de HP Elip. Un outil graphique pour la recherche de logiciels de paquets. Par contre, ce qui est très bien, c'est que Runit est très simple d'accès. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais retourner sur le site internet de la Void. Pour rajouter ou supprimer un service, c'est juste un lien qu'il faut déplacer dans un répertoire. C'est très simple. Alors, nous avons dit, voilà. Donc si on regarde dans le wiki, voilà. Non, c'est très simple. Donc pour ajouter par exemple un service, on met juste par exemple, je vais rajouter SSHD au démarrage, je fais juste cette commande, ln-s, crac, je vais l'enlever. RM, c'est tout. Donc Runit est très simple pour l'accès. On peut rajouter, supprimer un service, par exemple Kubs, CLN-S, Kubsd, enfin Vars. Après, c'est pour ça que je vais rajouter Kubsd, CLN-S, etc., XV, Kubsd, slash, Vars, service. Donc oui, c'est très très simple d'accès pour ça. C'est un des avantages de la Void Linux. Bon, c'est vrai qu'il y a des paquets qui manquent, il y a pas mal de package requests et compagnie. Le problème, c'est que c'est une distribution qui a une très très petite communauté. Donc automatiquement, c'est évolué assez lentement. Mais sinon, elle est utilisable. C'est vrai que c'est une distribution de niche, il faut rester réaliste. C'est vraiment la distribution qui pourrait correspondre aux personnes qui cherchent une rolling, mais qui n'ont pas envie de se taper 4 heures de compilation pour mettre à jour un logiciel. Voilà, en clair, qui n'ont pas envie de se taper une fun-to, une gain-to. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Vous voyez, quand même assez rapide. C'est vrai qu'il manque quelques petits outils, comme un outil graphique pour la gestion, mais sinon, elle fonctionne. Et on va voir combien maintenant me manque de mémoire vive. J'étais un peu plus de 400 mégas. Alors, mettre un système maté, je vais être un peu plus dans les 500 maintenant. Je n'ai pas beaucoup bouffé de mémoire vive en plus. C'est une distribution quand même qui est assez rapide, assez légère. Donc là, je vais l'éteindre parce que j'ai plus rien à rajouter. Voilà, donc l'extinction doit être assez rapide. Voilà, vous avez vu le temps de démarrage, le temps d'extinction, c'est très rapide. Donc c'est vrai que c'est une distribution, comme je disais, qui est nichesque, comme toute distribution Linux d'ailleurs. Elle est intéressante. Mais il faut vraiment aimer mettre la main dans le cambouis. J'avoue que j'ai un peu passé cette période de mettre les mains tout le temps dans le cambouis. C'est pour ça que j'utilise PAMAC sur ma machine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.